Dis à quelqu'un, t'as trop parlé. Mon défenseur est venu. Alléluia. J'ouvre ta bouche. Mon défenseur est venu. Alléluia. Priez pas à Dieu. À Dieu y en a Seigneur. Priez pas. La joie y en a Seigneur. Yeah.
acclamer Jésus. Amen. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Tiens-toi debout. Amen. Il est le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Il est le responsable du ministère de la compassion des âmes et le responsable du centre péniel Zaroko, d'où le cabinet ici à Divo. Cette nuit encore, il est là au milieu de nous. J'ai l'honneur, avec une forte acclamation, de vous présenter cette nuit le prophète Joël Cousseau. Acclame Jésus Christ. Je peux acclamer Jésus. Je peux acclamer Jésus. Et Jésus qui est tout puissant. C'est à cause de lui que nous sommes là cette nuit. Amen. 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 À lui seul la gloire. À Jésus seul la gloire. Amen. Je vais dire merci Jésus, comme ça, fait comme ça. Merci Jésus. Amen. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es vivant. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Alléluia. Amen. 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 Qui croit à sa victoire? Qui croit à sa victoire? David a déclaré devant ce qu'on appelle Goliath, que c'est à l'Éternel qui appartient à la victoire. Amen. Et tu as l'Éternel avec toi. Amen. Tu as Yahvé avec toi. Amen. On dit amen. Amen. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Oh, le bébé, il est là. Viens. Le vieux là, venez s'il vous plaît, venez. Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. À quelqu'un, dis à côté, Jésus est merveilleux. Amen. Donc, dis, ah, c'est toi qui veux combattre les sorciers, toi. Est-ce que les sorciers sont sorciers? Amen. Amen. Ma réponse, c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Amen. À l'Église, tu as donné le pouvoir de la destruction des œufs des ténèbres. J'ai dit, je vous ai donné le pouvoir, mon nom, de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Ce sera que cette nuit, je mets tous les sorciers au défi. Si vous voulez attaquer, vous allez vous convertir. Amen. Vous serez plus une grande puissance au-dessus de votre pouvoir. Une puissance au-dessus de votre pouvoir. Et que vous n'êtes rien face au pouvoir de Jésus. Amen. Vous n'êtes rien face à la puissance de Dieu. Amen. Tu veux mourir. Le vieux, là, ça fait deux fois. La dernière fois, il a voulu prendre l'autre endroit là, pour mettre ça dans son cul de tabac. Tout à l'heure, on a bâti. Tout à l'heure, il essayait encore, je l'ai trouvé devant la porte. Il veut prendre toute la veillée et mettre ça dans son amiche. On dit quelqu'un de même en monsieur, vous voulez que je vous aide? Hein? Oh, non. Vous êtes en train de faire quoi? 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 Quand je suis rencontré, tu t'en viens de faire quoi? Je suis en train de faire quoi, toi? C'est vous. Oh, mais faut me répondre. Faut me répondre. Je suis en train de faire quoi? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je suis en train de faire quoi? Tu ne disais rien. Tu ne disais rien. Tout à l'heure, tu disais quoi? Tout à l'heure? Oui. Le chéri qui m'a appelé pour me demander si tu peux bien parler aujourd'hui. Donc je monte sur toi. Et j'ai envie de mentir. Ce qui est dit, il ment. Ce qui est dit, il ment. Hein? J'ai envie de mentir. Non. Tu faisais quoi?
Tu t'es réjoué quoi? Avec les frères. Il te pose une question. Non, faut pas me distraire. Tu t'attends de faire quoi? Donc, les gens viennent mentir à toi. Les gens viennent mentir chez toi. Tu t'attends de faire quoi? Moi, je connais la bouche. Tu t'attends de faire quoi? Tu disais quoi? C'est tout, je demande. Je voudrais vous demander. Ou je suis en train de vous emmerder. Non. Je suis en train de mentir sur vous. Je lui mens sur vous. Non. Je vous accuse mutuellement. Non. Ok, donc, je suis tenté de faire quoi? Pourquoi vous devriez s'élever? Vous êtes en train de faire quoi? Tu t'es en train de faire quoi tout à l'heure? Tu t'es en train de faire quoi? Je te soutiens. C'est de ma bouche, je vais manger ta connerie. Tu as voulu prendre ici, là, pendant que les gens sont en train de faire des incantations, pour mettre dans ton anus. C'est pas ce que tu es en train de faire? C'est pas ce que tu es en train de faire? Oui. Alors, je vais te discuter pourquoi? Non, c'est pas que j'ai envie de discuter, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas du tout de ça. Quelque chose t'a tenté une seule fois, une première fois, ça n'a pas marché. Tu recommences encore. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu voulais détruire ça? Pourquoi? Mais tu voulais faire quoi? Mais dans l'amuse là, c'est pas détruction. Assez amuse, c'est une bonne chose, pourquoi mettre quelque chose dedans? Puis vous le mettre tous les secteurs dans votre amuse. Hein? Hein? C'est pas où je demande? Ah bon? Oui, mais pourquoi? Comme il y avait du monde, oui. J'ai voulu montrer ta puissance. Voilà, ma petite est morte. I'm
Thank you.
déclare dans Jérémie le chapitre 1, le verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je serai avec toi pour te délivrer au rang de l'Éternel. Alléluia. Tu reconnais la puissance de Jésus? Donne-lui le micro. Comment ça? C'est plus fort que le mot puissant. Il est quoi? Il est fort que le mot puissant. Puissant que puissant. Pour expliquer. C'est-à-dire, pour Jésus, nous les sorciers, on est absolument zéro. Comment? Mais toi, tu ne peux pas t'approcher de lui. Hein? Tu étais égal à lui. Et puis tu t'amuses vers lui. Et là où il réside, là, c'est là que tu viens prendre pour mettre dans l'anus. Tu sais que Jésus est puissant, que le mot puissant. Et puis toi, tu jouais ça. Tu reconnais que tu es sorcier? Oui. Vrai. Oui. On t'accuse, mais tu reconnais ta sorcellerie. Je reconnais que je suis sorcier. Comment ça? Comment? Parce que. Moi, je dis, je suis sorcier. Oui. Je vis à deux mondes. Hein? Je vis à deux mondes. Tu vis dans deux mondes, oui, à deux mondes. Je vis dans deux mondes. Tu vis dans. On a des grands soutiens ce soir. Que le groupe se lève. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de préparer un grand concert. Un grand concert pour l'arbre de Noël. À partir du 20, 23, 24, 25, nous serons à bord d'un grand concert. Et même quand nous sommes en train de tourner mon dernier clip, nous avons commencé une séquence depuis Abidjan. Toute l'équipe technique est là sur place. Nous serons là pendant deux jours. Nous allons tourner un clip ici, un clip à Zaroko, le Bata, une région que j'aime bien. Même si on m'insulte, je suis avec vous. Je les aime bien. Amen. Parce que pour moi, l'homme a droit à la vie. Il ne faudrait pas que des méchants qu'on appelle des sorciers viennent détruire la vie des cadres. C'est une région où il regorge assez de monde, où il y a des grandes richesses. Malheureusement, il y a une présence des ténèbres. Et en tant que maréchal de la brigade anti-sorcier, je suis sur le terrain pour les mettre au pas. Amen. Je vous ai dit, vos cuisines sont fermées, vos maris sont jetés, vous êtes à Karim Forcé. Karim Forcé. Hein? Mais tu es obligé d'accepter. Tu vas dire, accepte ça. Je suis obligé d'accepter. Tout le monde est choukouya empoisonné là-bas. Tu t'amuses, je te donne le visa de la Mauritanie. C'est un visa. Bah, là, tu vas à la Mauritanie en jet privé. Vous n'avez pas dit que vous savez tuer l'homme. Non, vous délivre, mais si vous amusez, hein, on vous amène en Mauritanie. Je ne suis pas dans ma maison. Tu sais que si tu jouais à moi, j'ai arrêté ton cœur tout de suite. Il m'a mis sur toi. Ça fait deux fois que tu jouais à nous. C'est vrai. La première fois que tu es venu, tu prends la bête là-bas quoi? Tabatière. Ok. Je te laisse. Ton âme découvrir ce qui est en Jésus. Je le suis parce qu'il est puissant. Oui. Je dis là, si Jésus n'était pas. J'ai venu faire quoi à l'église, ça déclare à Dieu. Pourquoi? Pourquoi on en fait l'église? C'est parce que je sais que Jésus est puissant. Je suis né dans une famille musulmane. Oui. Là, 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 j'ai fait ça. Quand sorcier voulait me manger depuis la France, j'ai expérimenté la puissance de Jésus. Ça, il le sait. Amen. J'ai dit aux gens, mais vous pensez que c'est un travail, voir le sorcier parler, tu as mangé quoi, il a mangé, j'ai dit, j'ai mangé quoi, il a mangé. C'est pas un travail. Amen. Amen. C'est parce qu'il m'a appelé à ça. Amen. J'ai été victime de la sorcellerie. Mon père est mort sous les yeux, il y a mon frère qui est mort, ma soeur est morte. J'étais maintenant prêt à me manger avec Abessi. Puis j'ai rencontré Jésus. Ah, mon frère!